Auntie Hathaway's. Voilà, Louis, 5 boules de slime à la suite dans le bol. T'avais raison, pas, il suffisait que je m'entraîne. T'as bien fait de me forcer à continuer après les 100 premiers essais. Et ça a payé, fiston. Ah, c'est pas mal du tout, tu sais. Cette fois, c'est sûr que tu vas décrocher ton diplôme de fantôme de niveau 2 demain soir. Enfin. Oui, enfin. Allez, je vais à ma soirée poker. Je vais pouvoir vanter les talents de mon fils toute la soirée. Fantôme de niveau 2. Fantôme de niveau 2, franchement c'est trop classieux. Maintenant tous ensemble on chante Louis, Louis, Louis. T'inquiète pas, je suis trop déprimée pour me moquer de toi. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Pénélope m'a fait un sale coup et maman a promis de me punir et de me prendre Gertrude si j'essaye de me venger. Mais comment je peux exister dans un monde où Pénélope m'a eu un dernier? J'ai peut-être une idée. Non, ça marchera jamais. Attends, je vais écouter ce que t'as à dire d'abord. Toi, t'as peut-être le droit de rien faire, mais moi, par contre, on m'a rien interdit, tu vois. C'est pas faux. Tu pourrais lui faire un sale coup sans que je sois là et personne ne m'accuserait. Ok, alors, demain à 16h, tout le monde sera à la cafétéria pour préparer les stands de la foire internationale. Parfait, l'heure et l'endroit me vont très bien. Pénélope apportera une marmite de soupe de caribou pour son stand du Canada. Toi, tu apporteras une deuxième marmite. Et ensuite, pendant que moi, je ferai diversion, toi, tu... Je mettrai trop de sel dans sa soupe. Mais quel génie. Non. Tu passeras par là et tu remplaceras ma marmite par la sienne. Comme ça, quand elle retirera le couvercle... La soupe sera beaucoup trop salée.